dans notre webinaire bi-hebdomadaire qui va vous permettre de poser des questions, d'étudier des cas et puis de clarifier certains points peut-être obscurs de chaque cas particulier. Alors on va commencer d'abord par combler un manque. La dernière fois, c'était milieu d'octobre, j'avais prévu de vous parler de quatre trucs ou astuces, et finalement on n'a pas eu le temps d'y procéder, donc on va l'examiner. Ensuite, je voudrais vous parler un peu des outils qui sont à votre disposition, qui est une bibliothèque d'informations qui est en annexe, mais qui ne doit pas être négligée. Ensuite, je voudrais vous parler du cours numéro 3, la communication, et dans quelle mesure c'est essentiel pour l'ensemble. Je voudrais aussi parler d'erreurs à éviter dans les recherches de poste et, à contrario, ce qu'il faut faire. Alors, je répondrai aussi à vos questions. Ça, c'est le cinquième point, si on a le temps, hein. Et puis, surtout, j'avais prévu qu'on fasse un cas, celui de Philippe, qui était volontaire et dont le nom est anonyme, mais enfin, je respecte son anonymité en l'appelant par son prénom, et qui concernait, au fond, le problème du ciblage. Et le ciblage, c'est la stratégie qui suit immédiatement l'auto-évaluation. J'espère que vous progressez bien dans les cinq étapes de Happy Job Consulting. Chaque cas est différent. C'est un peu une aventure personnelle, mais c'est un moment essentiel dans lequel je suis là pour vous soutenir et pour vous aider à avancer vers le succès. Alors reprenons le premier point que j'aurais dû aborder la dernière fois et puis ça a échappé et je m'en excuse. Alors le premier point, c'était, il y a quatre astuces que je voulais vous développer. Vous les connaissez, je crois, parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises. La première, c'était la question de l'ascenseur, qu'on appelle en anglais l'elevator pitch. Hein, c'est la vente de l'ascenseur. L'idée est la suivante. Vous êtes dans un grand immeuble. Vous êtes au rez-de-chaussée, vous rencontrez quelqu'un de très important qui est un ami ou avec qui vous avez un rapport de connaissance, et il vous dit comment ça va, qu'est-ce que vous devenez, puis vous prenez l'ascenseur et vous ne savez pas combien de temps vous avez eu, 10 secondes. Hein, en fait, il ne faut pas raconter sa vie, c'est ça le but de l'exercice, c'est une forme de mise en situation, un reality show, dans lequel on vous demande en 10 secondes ou 15 secondes de dire qui vous êtes et où vous en êtes. Donc il faut pouvoir faire cet exercice, car ça se produira, puis ça donne une clarté synthétique à tout votre projet. Donc cette question de l'ascenseur, moi on l'a posée. Une fois, je vais vous raconter, j'étais un cocktail d'une banque qui s'appelait la Chase Manhattan Bank, qui a fusionné par la suite avec JP Morgan, une banque très prestigieuse, et le président de Chase Manhattan Bank s'appelait David Rockefeller. Ça appartenait à sa famille. Bon. Et puis, je me trouve par hasard au buffet en train de prendre une coupe de champagne en face de lui. On se présente et il me dit en anglais, quel est votre focus? C'était une façon de dire qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites. Je dois dire que je suis très fier d'ailleurs de le dire. J'ai eu la réponse en 10 secondes, parce qu'il n'avait pas plus de 10 secondes dans son esprit pour m'accorder une attention soutenue. Et j'ai répondu, je m'appelle Jean-Michel Becbédé, je suis chasseur de tête spécialisé dans les recherches de direction générale dans les banques d'investissement. Point à la ligne. Comme c'était une banque d'investissement, c'est ce que j'ai évidemment, j'ai adapté
mon objectif. Il a bien retenu, et effectivement, par la suite, il y a eu un besoin de changement à la tête de la banque d'affaires Chase Manhattan Bank en France, et c'est moi qui ai eu la mission, parce qu'il m'avait rencontré, ça m'a aidé. Ce n'est pas la seule chose qui a déterminé, mais enfin, c'était un élément important. Alors, à la suite de votre auto-évaluation, il faut que vous soyez capable de résumer qui vous êtes, ce que vous recherchez, pour sensibiliser les personnes qui vous poseront des questions ou bien les interlocuteurs que vous solliciterez et qui ne vont pas vous accorder en vérité plus de quelques minutes. Moi, je dirais, il faut que vous puissiez le dire en 15 secondes. Exercez-vous à pouvoir le dire en 15 secondes. Je suis spécialisé dans l'informatique adaptée à la santé ou j'ai développé des logiciels particulièrement performants pour les cliniques et hôpitaux qui ont amélioré la productivité et qui sont tout récents et adaptés. Et je cherche à développer ce logiciel au sein d'une société informatique de système d'information. Je donne un exemple, c'est purement tiré de mon imagination. Alors ça, c'est très important de pouvoir répondre de façon synthétique donc la question de l'ascenseur. Alors, le deuxième point que je voulais aborder, je l'ai souvent fait dans certaines de mes vidéos, c'est quelle cible ? Le ciblage, il va correspondre à l'ensemble de vos qualifications, qu'elles soient techniques, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient de motivation. Tout ça, c'est des éléments importants de vos qualifications. Donc, il va falloir faire des cibles qui sont prioritairement dans la perspective de vos compétences techniques, financières, commerciales, le marché, etc. Donc, ça, c'est votre métier, votre connaissance précise. Et puis, également, dans le domaine de vos compétences de personnalité, leadership, volonté, discrétion, enfin, toute une série de loyautés, tout ça, c'est des éléments sur lesquels les futurs employeurs vont se baser pour vous recruter. Et puis, également, le secteur d'enthousiasme, car si vous avez une motivation pour quelque chose, c'est déjà la moitié de la qualification. Ce n'est pas suffisant, mais enfin, c'est déjà une partie du chemin. Alors, je conseille de faire 10 cibles dans le prolongement de votre métier, 10 cibles dans le prolongement de votre personnalité et 10 cibles dans le prolongement de vos passions. Alors, c'est peut-être pas possible, parce que vous n'en avez pas 10, vous en aurez peut-être 15 dans un, 3 dans l'autre. Mais en fait, essayez d'atteindre un équilibre entre ces 3 éléments moteurs du ciblage. Et n'ayez pas 3 cibles, car 3 cibles, c'est le hasard, joue contre vous. Il faut que le hasard joue pour vous et que il y a au moins une trentaine de cibles, peut-être plus. Alors, le troisième point, c'est les lettres de motivation. Les lettres de motivation, on en parlera tout à l'heure, de façon plus précise, mais il faut une lettre de motivation qui sorte du lot et faire le contraire de ce qui se fait. Je cherche une société en croissance qui me permette de développer mes talents, mon potentiel en informatique, ça c'est trop vague. Il faut trouver une façon originale qui vous définisse et qui fasse sursauter l'interlocuteur. Alors comment le faire? Eh bien, on en parlera.
Le troisième point, c'est l'interview. L'interview qui débouche non pas sur des réponses, mais sur des relations personnelles. C'est-à-dire, vous essayez d'orienter votre interlocuteur vers une conversation. Et ça, c'est toute une procédure pour créer un lien personnel avec la personne qui vous interviewe. Exemple, on vous demande quel est votre échec principal en matière commerciale. On a tous eu des échecs. Si vous dites « j'en ai jamais eu », c'est que vous êtes un menteur. Et donc, vous répondez en décrivant un client important qui avait demandé un devis, on a présenté un devis, puis on n'a pas eu la mission, et ça a été un désastre. Et il y a eu une grande déception dans l'entreprise, et ça a été un échec. Et vous pouvez poser la question, vous dites, nous on avait très peu de liberté, très peu de marge en termes de prix et de conditions, et une des raisons de cet échec, c'est l'inflexibilité que nous avions en matière de devis. Comment, c'est là vous faites la conversation, comment dans votre entreprise permettez-vous aux commerciaux d'ajuster les conditions de prix ou les conditions tout simplement de livraison? C'est un élément important parce que ça renverse la conversation de l'autre côté. Il y répond et déjà vous créez des rapports humains sur la base d'une égalité entre l'interlocuteur et vous. J'ai parlé de ces quatre petites astuces, mais il y en a d'autres, bien sûr, un grand nombre. Et j'aborde maintenant le second point, qui sont les outils. Alors, vous savez que la formation comprend, elle comprend des cours, 5 modules pour chaque étape, ce qui fait 25 modules. Il y a également des outils disponibles, comme par exemple le questionnaire de personnalité, les couples d'adjectifs qui permettent de vous définir. Il y a le questionnaire SWOT qui vous donne des forces et faiblesses et qui permet d'établir votre stratégie personnelle. J'aborde aussi le sujet de l'expatriation à l'étranger, qui est un sujet à part, qui doit se faire pour de bonnes raisons. Donc il faut que vous étudiez un petit peu ce sujet. Je donne des livres qui m'ont inspiré. Certains d'entre eux peuvent vous intéresser. Il y a des liens utiles de job et de carrière. Il y a aussi des listes de chasseurs de tête, avec des classifications et avec des façons intelligentes de choisir un chasseur de tête en fonction de votre spécialité. Il y en a qui sont plus finance, retail, informatique, high-tech, et avec les adresses et les noms des personnes. Bon, j'aborde un peu comment négocier son poste, comment rédiger une lettre de motivation et son CV, comment réussir un entretien de recrutement. Il y a aussi les aspects juridiques. Je ne suis pas avocat, je ne me substitue pas aux avocats, mais il est bon de jeter un coup d'œil à son contrat, sinon vous regretterez d'avoir signé certaines clauses qu'il ne fallait pas signer. Les conseils en finalisation et prise de poste, je peux les donner par téléphone ou vous me posez des questions. Vous savez que tout ça est très ouvert. Vous pouvez prendre contact avec moi. Alors, je voulais aborder un troisième point, qui est celui de la communication. Le troisième point se trouve être le troisième cours. Je crois qu'il ne faut pas le sous-estimer. Beaucoup de personnes qui sont en recherche d'une reconversion ou d'un poste idéal pour eux font très bien les diverses étapes, mais ils ont négligé souvent
leur site web, leur site internet sur LinkedIn. Alors c'est la première des choses que vont faire vos interlocuteurs, c'est quand ils voient votre nom, ils ont appris que vous cherchiez, vous serez peut-être candidat à une interview, ils vont regarder votre site LinkedIn. En une seconde, ils l'ont, ils l'impriment. Et il est indispensable de travailler votre site LinkedIn. Alors, je ne vais pas entrer là-dedans, il y a tout un développement très précis, il y a même des articles nombreux et variés sur YouTube ou sur des revues spécialisées qui vous disent comment faire un site LinkedIn, ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre. Le deuxième point de communication, c'est évidemment le curriculum vitae. Et le curriculum vitae, c'est un art qui a évolué dans le temps. Il faut qu'il ait l'air contemporain, moderne. Il ne faut pas qu'il ait l'air d'avoir 30 ans, car ce qu'il fallait mettre il y a 30 ans et ce qu'on met aujourd'hui est totalement différent. Il faut qu'il ait un graphisme moderne dans le coup, qu'il évoque vos réelles contributions, vos réels talents humains, de volonté, de pugnacité, de communication, et même qu'il décrive certains challenges que vous avez résolus. Donc là, dans les communications, se trouve également aussi, le dernier point, c'est la fameuse lettre de motivation dont je parlais tout à l'heure, qui doit comprendre une introduction brillante et hors du commun, originale, qui doit expliquer ce que vous avez vraiment fait, pourquoi vous l'avez fait, comment vous êtes entré dans cette voie à titre personnel, qui explique ce que vous pourriez apporter de vos expériences passées à la société à laquelle vous vous adressez, et dont le style doit faire sursauter d'originalité, pas excessive, mais doit quand même susciter l'intérêt de votre interlocuteur. Je vous recommande de la regarder une dizaine de fois avant de l'envoyer. Alors, on va aborder les erreurs à éviter dans la recherche d'un poste. Dans le passé, vous avez peut-être vu toutes mes vidéos. Dans ce cas-là, ça vous rappellera ce que j'y ai indiqué. Ceux d'entre vous qui ne l'ont pas vu, je donnerai le lien de ces vidéos dans le replay de ce webinaire que vous recevrez dans la semaine. Les erreurs à éviter, c'est tout d'abord de se baser uniquement sur le curriculum vitae. C'est essentiel de l'avoir, c'est essentiel de bien le faire, au même titre que les autres éléments de communication, comme le site web, et éventuellement le blog, si vous estimez avoir des choses à communiquer. La lettre de couverture, qu'on appelle lettre de motivation, je n'aime pas d'ailleurs ce terme, car c'est une lettre tout court de communication. Mais il ne faut pas dépendre uniquement de cela. Il faut que vous ayez le pilier de votre recherche de job, c'est l'auto-évaluation, savoir ce que vous pouvez faire et apporter. Quel est votre métier, quel est votre enthousiasme, quelle est votre personnalité. Une fois que vous avez fait ça, c'est votre stratégie que vous allez déduire à partir de cette base d'auto-évaluation en déterminant les secteurs où vous voulez travailler, les géographies, les niveaux, le type de problème que vous allez pouvoir résoudre. Et ça, c'est vraiment un gros travail de réflexion stratégique. C'est la partie la plus intéressante. Comme je le conseille tout le temps, il faut avoir un plan A, un plan B, un plan C. Et d'ailleurs, on découvre
parfois sa motivation un peu plus tard dans la recherche, après avoir testé auprès de certains employeurs, et vous découvrirez peut-être que ce que vous estimiez était le plan A n'est pas le bon. Je donne un exemple d'une personne avec qui fait partie de votre groupe et qui me parlait de son ciblage. C'est une personne qui est financière. Elle a d'abord fait de la gestion d'actifs, n'a pas trouvé ça intéressant. Elle peut conseiller les gens sur le plan patrimonial, et donc elle s'orienterait peut-être vers la banque privée. Mais, graduellement, à l'examen, on a vu qu'elle s'intéressait à l'agriculture et au vignoble. Peut-être que c'est ce secteur-là, en combinant sa compétence traditionnelle de financière, qui serait la bonne voie. Donc il faut qu'elle teste un peu le domaine de banque privée, puis le domaine des vignobles. Ou, tout simplement, selon ses qualités personnelles de financière et de gestionnaire patrimonial, d'entrer dans une entreprise, quelle qu'elle soit, en croissance et qu'il y a des problèmes de financement, de recherche de partenaires, d'évolution de patrimoine et de stratégie de patrimoine. Et graduellement, en testant avec le réel, elle verra si elle a trouvé la voie qui l'enthousiasme le plus. Alors, je voudrais parler d'un point très important qui est la réponse aux questions. Alors, je vois un certain nombre de questions qui se sont posées. Je vois ici une première question. Catherine qui pose une question, qui dit « Comment s'habiller pour aller à un entretien ?» Je ne suis pas conseillé en look, mais il faut que vous soyez le plus professionnel possible, le plus sérieux, sauf si le métier implique déjà une forme d'habillement. Si vous allez être conseillé dans une affaire de sport, ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre en jogging, mais vous serez plus détendu que si vous allez dans une banque. C'est vrai. Mais en gros, surtout pour une femme, il faut être très professionnel, sérieux, montrer qu'on est compatible avec l'entreprise sur le plan look. Vous pouvez auparavant vous renseigner. Et c'est une question qu'il faut vous poser. Pour les hommes, la question ne se pose plus maintenant de la cravate, c'est assez libre. Moi j'ai une cravate, mais ça correspond à ma génération, mais très souvent les gens, les présidents de société, je les vois passer à la télévision sans cravate. Ça m'a toujours amusé. Mon fils me disait, il est dans les affaires, il me disait, toi tu dois porter une cravate, ça correspond à ta génération, et moi, non. Bon, c'est tout ça, c'est des évolutions. Je crois que la caractéristique de base, c'est qu'il faut respecter la situation de l'interview en s'habillant de façon sérieuse, professionnelle, pas trop, détendue et relaxe. Mais pas chercher des habits invraisemblables, de couleur ou autre, pas prendre de risques. Une autre question qui est posée, c'est peut-on cibler des recherches de job dans des directions contradictoires? Par exemple, la banque et l'industrie. Moi, j'y suis très favorable parce que l'idée que la banque et l'industrie n'est pas une industrie est une absurdité. La banque est une industrie, c'est une organisation de prestation de services dont le but est de satisfaire des besoins de la clientèle. C'est comme la compagnie d'assurance, c'est comme les fabricants de voitures, ce sont des organisations, des équipes
et les transferts de secteurs enrichissent les entreprises. L'ancien président de Peugeot était un banquier, Jacques Calvé. Il a fait un très bon travail il y a une vingtaine d'années. Donc, je crois qu'il faudrait, il faut vous méfier des stéréotypes. Il faut que vous ayez, en fonction de votre auto-évaluation, tous les secteurs susceptibles, parce qu'ils sont en croissance, de vous intéresser. Et les paradoxes sont les plus faciles à concevoir. Si vous êtes dans des fonctions de ressources humaines ou des fonctions de finance ou de contrôle, vous pouvez travailler pour tous les secteurs. Autre question de Daniel. Existe-t-il des chasseurs de têtes spécialisés dans certains secteurs et comment les trouver? Alors, je donne dans les outils le lien avec décideur. Décideur fait des classements de sociétés prestataires de services, comme banque d'affaires, avocat. Vous choisissez chasseur de tête. Dans chasseur de tête, vous prenez France. Et dans France, vous prenez les secteurs qui sont proposés. On vous donne une liste d'une vingtaine, une trentaine de chasseurs de tête dans chaque secteur, plus ou moins, selon l'importance. Par exemple, si vous cherchez dans le retail, la distribution, le commerce de détail, eh bien vous aurez une vingtaine de chasseurs de têtes qui sont spécialisés et ils vous donnent les noms et les adresses de ces personnes. Vous pouvez à ce moment-là vous reporter de toute façon sur le site du chasseur de têtes en question et là, on vous donnera les compétences sectorielles des divers chasseurs de têtes du marché en question. Donc la réponse est oui. Sauf, je reviens sur la question antérieure, qu'il ne faut pas vous limiter à un secteur. Sauf dans les fonctions peut-être de produit ou de connaissance de la clientèle. Mais en dehors du produit et des connaissances de la clientèle, vous pouvez passer d'un secteur à un autre. Autre question. Lors d'un entretien de recrutement, arrive-t-il encore que l'on nous demande nos trois qualités et nos trois défauts? Dois-je m'y préparer? Bien sûr, il faut vous préparer, mais c'est un peu désagréable ce genre de question. Je vois mal un DRH vous demander vos trois défauts. Un DRH sera plus subtil. Il vous dira, y a-t-il une situation dans laquelle vous avez pris conscience d'une difficulté que vous aviez avec la clientèle ou bien une difficulté que vous aviez avec les aspects juridiques, voilà. Il sera un peu plus subtil pour ces questions-là. Mais il faut que vous soyez prêt aux questions négatives. Soyez prêt à décrire votre principal échec, soyez prêt à décrire votre principal défaut. Ne choisissez pas pour vos principaux défauts l'envers d'immenses qualités que vous avez. C'est une stratégie qui est banale et qui est déjà éculée. Il faut choisir des défauts qui sont peut-être l'envers d'autres qualités, mais sur lesquels vous avez travaillé. Et vous êtes conscient que vous avez tel défaut, vous y avez travaillé depuis 3-4 ans, et d'ailleurs, vous avez obtenu des résultats dans des situations qui ont été positives. Il faut nuancer vos réponses et ne pas faire le contre-pied comique, parce que vous avez affaire à des gens qui sont intelligents et qui démontreront votre jeu instantanément et verront que vous êtes hypocrite. Donc oui, il faut vous préparer à la plupart des questions
difficile, qui d'ailleurs couvre d'autres sujets, car les questions difficiles, j'en parle dans un des outils, j'en ai mis une centaine, je ne sais pas combien il y en a, et essayez de vous préparer, de vous exercer à répondre à ces questions difficiles. J'ai même, dans une vidéo, expliqué comment un défaut peut être une qualité. Par exemple, on va vous dire, vous n'avez pas fait des études d'ingénieur, et vous répondrez peut-être, si c'est vrai, oui, effectivement, j'ai dû interrompre mes études, car j'ai dû gagner ma vie, et tout ça, c'est plutôt sympathique. Et j'ai appris, très jeune, dans des postes que j'ai eus à 22 ans, par exemple, en interrompant mes études d'ingénieur, j'ai pris contact avec certains marchés qui m'ont donné une expérience que beaucoup d'autres n'ont pas. Il faut essayer de transformer un défaut en qualité d'expérience par ailleurs. Autre question qui a été posée, Pierre me dit, dois-je mettre clairement mon profil sur mon profil LinkedIn que je suis en recherche ou vaut-il mieux laisser penser que je suis toujours en poste en ne mettant pas de date de fin pour mon dernier emploi? Alors, ça dépend des situations. En principe, il faut dire la vérité, car la vérité, de toute façon, sera connue. Mais si vous êtes en poste, ben vous ne pouvez pas dire que vous recherchez. Vous dites simplement ce qui vous intéresse dans la vie et le genre de carrière que vous souhaitez avoir. Et si les gens veulent vous approcher, ils vous approcheront, que vous disiez que vous cherchiez ou non. C'est beaucoup plus efficace, évidemment, de dire qu'on recherche, parce qu'à ce moment-là, vous avez une entreprise qui sans vergogne va vous approcher sur la base de votre profil LinkedIn. Elle sait que vous êtes en recherche et va vous, tout simplement, organiser un rendez-vous s'il estime que vos qualifications sont intéressantes. Mentir sur un CV, c'est jamais une bonne chose. J'ai eu le cas récemment, ce n'était pas un mensonge. C'est une personne qui, pendant 3 ans, a pris un congé parental parce qu'elle a eu 2 enfants successivement. C'était une dans les ressources humaines. Moi, je trouve que c'est très bien. Et beaucoup de dirigeants trouveront que c'est pas mal de s'occuper de ses enfants pendant 3 ans parce qu'ils sont en bas âge. Mais son CV ne le disait pas. Donc, il y avait un gap obscur de 3 ans pendant lequel on ne savait pas ce qui s'était passé. Évidemment, n'importe quel recruteur avisé s'en est aperçu. Et j'ai dû poser la question, et elle m'a raconté ça, et j'ai transféré, et puis le sujet était clos. Il vaut mieux donner la vérité. Si on peut le faire, ça n'est jamais nuisible. Alors si vous recherchez depuis longtemps, ça peut poser un problème en disant comment cette personne est au chômage depuis 3 ans. Alors il faut un peu expliquer que vous avez pris peut-être quelques missions personnelles pour des amis, que vous avez eu des mandats bénévoles, ou expliquer quelque chose. Parce qu'une vacance trop longue depuis son dernier emploi peut paraître étrange. Donc là, il faut peut-être avoir une attitude un peu nuancée par rapport à ce que j'ai dit. Mais en dehors de ce cas particulier, je crois qu'il faut dire la vérité. Si vous êtes en recherche, vous indiquez exactement ce que vous recherchez, vous mettez même un lien avec votre curriculum vitae, et vous êtes un candidat. Je connais même des présidents d'entreprise qui remettent leur démission parce qu'ils sont sûrs d'eux, ils savent qu'ils vont bientôt trouver quelque chose, et au moins ils sont libres. Et ils téléphonent aux gens en disant « j'ai démissionné de telle entreprise, je suis un homme libre, je suis sur le marché ». Ça ne les gêne pas. La plupart des
cadres dirigeants ou supérieurs attendent le dernier moment pour le dire. C'est une coquetterie qui me semble également indispensable, parce que la première personne qu'on doit aviser, c'est son entreprise. Sinon, on risque des indiscrétions folles. Donc, il faut, chaque cas, s'adapter à sa situation. Une autre question qui est posée ici, c'est, par Didier, quelles sont les priorités quand on démarre le programme Happy Job? Alors, j'ai déjà donné la réponse et je suis ravi de la confirmer. C'est l'auto-évaluation pour déterminer les vrais actifs que l'on possède dans sa besace. Sa personnalité, ses passions, ses motivations, sa pugnacité, sa loyauté, puis son métier. Peut-être on a deux métiers d'ailleurs. On a deux spécialités et on peut revenir à un métier antérieur. On a une compétence précise. Bon, à partir de ça, qui est la base, je crois qu'il faut déjà commencer à travailler sur les outils de communication, parce que si vous rencontrez quelqu'un, il va se précipiter sur votre site LinkedIn et vous demander votre curriculum vitae. Donc il faut l'avoir. Puis vous avez le ciblage, qui est la stratégie, qui détermine tout. Alors c'est les priorités, donc c'est l'auto-évaluation, la communication, que peut-être j'aurais dû mettre en deuxième position, et le ciblage. Nous allons aborder maintenant une étude de cas. Alors je vais voir si nous pouvons entrer en contact avec Philippe. Est-ce que je peux aborder le cas de Philippe, qui me paraît très intéressant, mais s'il désire communiquer, il peut résumer sa situation. Je vois que Philippe est présent. Est-ce que vous pouvez, Philippe, nous décrire où vous en êtes? Et qu'est-ce que vous souhaitez de nous pour avancer? Je vais résumer la situation telle que je l'ai comprise, car nous communiquons bien sûr en dehors du webinaire. Alors la situation de Philippe, c'est que c'est quelqu'un qui est un grand spécialiste de tout ce qui est supply chain, logistique, et qui a également une autre corde à son arc, qui est l'Afrique, où il a travaillé. Il peut donc s'orienter dans plusieurs voies. C'est quelqu'un qui est un dirigeant, qui connaît bien son métier, qui a des talents de personnalité forts, et qui peut espérer, dans une entreprise de taille petite ou moyenne, d'être au comité de direction pour la partie logistique, supply chain, ou bien même être conseil, ou lui-même à son propre compte, dans ce domaine. Donc le ciblage, tel que je le vois, c'est d'abord d'identifier des entreprises de sa région. Il est du centre de la France. Les entreprises qui cherchent à améliorer leur marge grâce à un supply chain et une logistique meilleure, suite à un audit que lui-même ferait pour dégager des réserves de productivité, des réserves de marge, et mettre en place cette fonction dans une entreprise qui en a besoin. Ça, c'est une première voie. Une deuxième voie, c'est de chercher dans les secteurs où il a lui-même travaillé
des offres compatibles avec son passé. Et puis une troisième voie, c'est bien sûr de voir dans le domaine africain s'il y a des possibilités. Il existe en Afrique de nombreuses sociétés logistiques qui se sont développées, qui sont plutôt des très grandes sociétés, c'est celles que je connais, mais il y a des entreprises certainement moyennes, en grand nombre, et il existe des sources d'informations, des banques, des réseaux bancaires, ou interroger les gens qui sont dans ce secteur. Il faut donc qu'il établisse une liste d'une trentaine de sociétés qui couvrent ces diverses cibles qui correspondent à ses talents propres qu'il aura découvert dans l'auto-évaluation. Si Philippe m'entend, est-ce qu'il peut me donner son retour? Je vais conclure. Ah, j'ai une réponse. Difficile d'avoir un ciblage, me dit-il, large et une cohérence. C'est vrai. La cohérence n'est pas indispensable. Il faut que ça ait une cohérence avec vous-même, bien sûr. Mais on peut très bien aller dans deux directions différentes. Lorsqu'on va dans une entreprise de petite taille, finalement, on fait tout. On s'occupe des liens avec. La supply chain est en lien avec le marketing, avec le commerce, avec les vendeurs, avec la production. On fait la synthèse de toutes ces sources d'informations. Bon. Lorsqu'on est dans une entreprise immense, internationale, je prends le cas par exemple de Geodis, on est un rouage d'un ensemble. Alors il y a des avantages, il y a des inconvénients. Je crois qu'il faut déjà tester les cibles qui sont de votre secteur, de petites et moyennes entreprises d'une part, et les entreprises importantes du secteur. Il y a une dizaine ou une vingtaine d'entreprises de votre secteur qui sont très faciles à approcher. Et étudier un petit peu une trentaine de cibles. Ça peut même faire plus, ça peut faire 50 cibles, surtout si on va dans les PME. Je vous propose de me rappeler pour me dire où vous en êtes, en fonction de ce que je vous ai dit, et vous surtout de vos tentatives d'identifier et d'évaluer des sociétés. Est-ce que dans votre secteur, l'usage est de faire un audit de logistique pour les entreprises qui, dans ce domaine, ont une certaine faiblesse? Est-ce que c'est une pratique de ce qu'on appelle les best practices, ce serait pour vous un moyen d'entrer en contact avec un grand nombre de cibles et de façon positive. Plus généralement, je tiens à vous dire que je suis ravi de recevoir des contacts téléphoniques de vous ou écrits. Vous me dites où vous en êtes. J'espère que vous progressez bien vers les solutions. On est souvent étonné de la rapidité avec laquelle ça se produit. Et comme je le disais d'ailleurs à Philippe, qui a eu des contacts intéressants pour lui, il ne faut pas décider trop vite. Il faut parfois différer tranquillement jusqu'à ce qu'on soit sûr
de l'orientation que l'on choisit. Il ne faut pas prendre la première offre venue parce qu'elle est venue la première. On regretterait par la suite de ne pas avoir pris une offre meilleure. Donc, il faut le faire prudemment. Il ne faut pas vexer les gens parce que si vous font une offre, ils vous disent « Bon, mais écoutez, décidez-vous, c'est dans les 5 minutes. » Non, ça ne marche pas. Il faut que vous réfléchissiez, vous trouvez un prétexte très poli pour dire « J'ai des contacts avec quelqu'un comme vous. » Je dois réfléchir un peu, je dois rencontrer la semaine prochaine des personnes. Il faut trouver une excuse pour différer si on vous fait pression pour une décision rapide. Et vous déciderez en fonction de tous les critères que vous avez mis au départ. Je suis à votre disposition pour toutes vos consultations téléphoniques et j'espère que vous allez bien réussir notre programme.